Depuis hier, j'ai une phrase qui m'est venue en tête et qui me dit: la sagesse commence quand on réalise qu'on ne sait rien. Il y a quelque temps, j'avais vu passer cette phrase et bon, ouais, sans plus. Aujourd'hui, elle prend tout son sens. Elle prend tout son sens parce qu'au final, qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe? Rien du tout. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez tout et son contraire. Vous ne savez pas ce qui se passe. Bah, on continue à vous cacher des choses, mais ça, c'est pas vraiment nouveau, hein, parce que c'est le but de vous cacher des choses. Et même les bonnes choses, on vous les cache. Ceci étant dit, c'est pas parce qu'on ne sait rien, c'est parce que on sait qu'on ne sait rien, qu'on doit se... Comment dire? Qu'on ne doit pas essayer de comprendre quand même. Essayer de voir ce qui se passe vraiment. En ce moment, je me suis inscrite à quelques groupes. Je vous mettrai les liens en dessous. Je me suis inscrite à quelques groupes qui commencent à dévoiler des vérités. Enfin, pour ceux qui veulent bien les voir. Qui commencent à dévoiler des vérités. Et à mon sens, je ne sais pas si c'est toute la vérité, mais en tout cas, certains bouts. Et ça résonne bien avec ce que je pense. Par exemple, cette pandémie, c'est quand même extraordinaire qu'elle ait pris tout le monde en otage, en fait. Elle a pris le monde entier en otage. Malgré les gens qui continuent à décéder, pas forcément à cause du virus, hein, parce que en final, moi j'ai vu passer, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, quoi qu'il en soit, j'ai vu passer là qu'il y a eu une jeune fille de 16 ans qui était morte du coronavirus parce que bande de copines, patati patata, bref. Que on m'a dit, ce que mon guide a dit, c'est qu'elle avait déjà une forme d'infection importante au niveau pulmonaire. Donc forcément, ça n'a pas aidé. Et j'envoie toutes mes condoléances à la famille. Je pense que sous ce voile de virus, c'est fait en fait pour faire bien d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Certains nous disent que ça va nous mener tout droit au nouvel ordre mondial. Oui, ça fait partie du plan adverse, j'ai envie de dire. D'autres disent que sous le voile du coronavirus, il y a un changement planétaire, mondial, universel, qui est en train de voir le jour. Grâce à cette épidémie, beaucoup d'hauts dignitaires, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il y a des hauts dignitaires, et ça jusqu'au Vatican. Désolé pour ceux qui sont attachés à ce dogme. Je dirais même pas à cette religion, c'est à ce dogme. Ben ouais, et jusqu'au Vatican. C'est quand même étonnant que... Moi, je me pose des questions, hein. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je me pose des questions. C'est quand même étonnant que beaucoup de personnes qui dirigent ce système
se retrouve attaqué par ce virus. Je trouve que c'est étonnant. Parce que c'est la première fois. Il y en a eu hein, des pandémies, hein, il y en a eu des. Mais les grands n'avaient pas été attaqués. Alors moi, je pense que. Personnel, c'est mon avis personnel. Après, chacun fait comme il veut, chacun voit ce qu'il veut. Et c'est mon avis personnel. Ça, je ne sais pas si vous le partagez ou pas, mais moi je pense que tous ces hauts dignitaires qui ont soi-disant le virus et qui donc sont confinés chez eux, certains l'ont peut-être attrapé, hein, c'est fort probable et ça serait dans la logique des choses, mais je pense qu'en fait c'est juste une façon de les tenir à l'œil. Du fait qu'ils sont confinés, ils ne peuvent pas bouger, ils sont surveillés, ils sont sous haute surveillance. Et je pense que dans pas longtemps, maintenant, je pense que nous serons témoins de milliers d'arrestations, que ce soit au niveau des présidents, enfin des présidents, des dirigeants, des hauts dirigeants, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau, à tous les niveaux, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des stars, de tout. Tous les niveaux sont touchés, les juges, les avocats, tous les niveaux sont touchés. Et tous ceux qui ont été, comment dirais-je, du mauvais côté, qui s'accrochent encore à ce système, bah, je leur souhaite bonne chance et bon courage. Du fond du cœur, bonne chance et bon courage. Car pour nous, je ne dis pas que certains d'entre nous ne vont pas y laisser leur peau, mais en fait, le confinement qui est demandé, parce que le confinement a été prolongé hein, jusqu'au 15 avril, minimum. Je pense que c'est pour protéger la population. Parce que ceux qui se sont bien informés et ceux qui regardent, et même si on ne sait rien, puisque c'est là le début de la sagesse, bah, le fait de regarder, d'y croire ou de ne pas y croire, montre que tout converge dans le même sens. Tout converge dans le même sens. Alors, je veux pas. Cette vidéo ne se veut pas du tout anxiogène, ni pour apporter la peur, ni quoi que ce soit. Juste pour vous dire que je ressens très fortement que les choses changent. Alors, déjà, je ressens déjà. Je ne sais pas vous, hein, mais moi je ressens déjà une énergie, des énergies beaucoup moins lourdes par rapport à avant. Avant, la terre était plombée. La terre était plombée. Maintenant, plus on avance, et plus je la sens légère. C'est plus autant plombé qu'avant. Si vous observez bien l'instant présent, le moment où vous vivez, vous vous rendez compte que c'est moins plombé. Malgré que les médias continuent à nous abreuver de mauvaises nouvelles, l'énergie de la Terre est moins plombée. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui se passe. Pourquoi d'un coup l'énergie de la Terre serait moins plombée? Alors qu'on vit une guerre entre le bien et le mal, pourquoi l'énergie de la Terre serait moins plombée? Parce que personnellement, je pense que... Et ça, c'est peut-être la seule chose dont je suis sûre. C'est que le bien a gagné. Que le bien a gagné. Que s'il n'y a pas des choses de faites tout de suite et que les gens voudraient voir, waouh, du jour au lendemain, des miracles arriver, des gens se faire arrêter, etc. Certains sont prêts à les voir. D'autres pas du tout. Donc, bah, le plan, c'est que on perde
le moins de personnes et le moins d'âmes possible. Parce qu'il est certain que quand la vérité éclatera au grand jour, ce qui, je vous dis, à mon sens, ne devrait pas tarder, ben, je pense que beaucoup ne s'en remettront pas, beaucoup deviendront fous. Et c'est pour ça que le plan se déroule en son temps, petit à petit, et les choses arriveront au moment où elles doivent arriver, tout simplement. Le tout, c'est de faire conscience. Est-ce que vous avez déjà vu que l'armée se déploie dans beaucoup de pays, l'armée américaine, aidée de l'armée et des pays en présence, se déploie dans beaucoup de pays? Pourquoi croyez-vous qu'elle se déploie? À cause du virus? Pas sûr. Pas sûr. Je pense, moi, qu'il y a autre chose. Qu'il y a autre chose qui se cache là-dessous et que le confinement nous permet, au final, non pas de nous protéger, en plus du fait de nous protéger de ce virus, elle nous permet au final de nous protéger de ce qu'il y a à l'extérieur. Les jours de noirceur, que d'après l'Apocalypse, ne sont pas des jours sans soleil. Non, c'est pas des jours sans lumière. Non. C'est les jours où les arrestations de masse se feront. C'est le jour où tout se mettra à l'arrêt, histoire qu'il y ait un reset qui se fasse, afin de commencer de nouvelles choses. J'ai vu ce matin en disant qu'au final, peut-être bien que le test pour le dépistage ne serait qu'une façon supplémentaire d'avoir notre code ADN à chacun, notre code génétique, et de pouvoir faire de nous des pantins. Oui, c'est possible. Moi, je suis ouverte à toutes les idées, à toutes les éventualités. Je suis dans la théorie de tous les possibles, donc c'est possible. Ça pourrait fonctionner effectivement si l'ordre mondial allait voir le jour. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Sérieusement, je ne pense pas. Parce que il y a beaucoup trop de choses qui se passent actuellement. Et que je pense que si l'armée américaine est derrière tout ça, ce n'est pas sans raison. Et que ce n'est pas seulement une histoire de virus. Moi, c'est ce que je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, c'est ce que je pense. Nous allons vers Nous allons vers des moments de liberté, des moments de paix. C'est aussi ce que je pense. Mais pour ça, il faut déjà faire tomber tout ce qui ne va pas, le système entier, quoi. Tel qu'il est actuellement, il faut absolument le faire tomber. Et qui pourrait mieux le faire tomber que l'armée? Puisque nous, les citoyens, nous n'avons plus le droit de bouger du fait que... Alors déjà, on n'a pas le pouvoir pour, et qu'en plus, on est confiné chez nous. Et qu'au final, l'armée, c'est peut-être... la meilleure façon de tout faire tomber. Alors, je me trompe peut-être, je ne sais pas. J'ai pas la science infuse et je vous dis, je viens de réaliser qu'en fait, je ne savais rien. Prenez ça comme des spéculations ou comme de l'intuition, comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je pense. Et quoi qu'il arrive, ça aussi, je pense, quoi qu'il arrive, ça aura lieu avant la fin de l'année. Beaucoup annoncent des dates. Fin mars, courant avril. D'autres sont plus larges.
Bah, toujours est-il que le début de la fin du système est déjà en marche. Est déjà en marche avec toutes ces armées qui se déploient un peu partout. C'est déjà en marche. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est pour le coup, restez chez vous. Ne bougez pas, restez chez vous. Continuez ce confinement parce que en dehors du virus, il y a d'autres choses qui sont en jeu. Et ce confinement, au final, c'est pour vous protéger de tout ça. Donc, restez chez vous, continuez à faire votre vie. Ne vous laissez pas abattre. Moi, je ne sors pas de chez moi, pourtant. Je m'habille comme si je sortais tous les jours, mais parce que ça me donne le moral, ça me donne la pêche. Je me dis que non, ça va. Ça m'aide à rester dans le vivant. Parce que si on commence à se dire, ouais, on ne peut pas sortir, c'est la galère, allez, on reste en pyjama toute la journée. Ah bah vous pouvez, hein, si vous êtes assez fort moralement, etc. Vous pouvez rester en pyjama toute la journée, personne ne vous en empêche. Hein, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je préfère m'habiller, moi, ça me donne la pêche, le moral. La vie, quoi. La vie continue. Alors, pourquoi se mettre dans un coin et ne pas bouger alors que la vie continue? Est-ce que la vie s'est arrêtée? La vie ne s'est pas arrêtée. Il n'y a qu'à écouter les bruits autour de vous. La vie continue. Alors, quoi? Alors, c'est pour vous dire que... il y a des émissions à la télé que je trouve de plus en plus... Ah, c'est marrant parce qu'avant, c'était des émissions que j'adorais. Enfin, que j'adorais. Disons que j'aimais bien et que bah, c'était dans mon... Ça faisait partie de mon train-train quotidien. Tiens, il y a cette émission, puis celle-là. Puis c'était bien, mais de plus en plus, je les trouve sans intérêt. Sans intérêt aucun. Par contre, hier, j'étais en train de dessiner. Oui, parce que... Enfin, pas dessiner, parce que je suis nulle en dessin, ça, et sans aucun doute. J'ai essayé l'hiver de prise, ça n'a pas marché. Il n'y a rien à faire, je suis incapable de faire une maison, ou alors je les dessine comme mes enfants d'un maternelle, c'est vous dire le niveau du dessin où ils se trouvent. Par contre, bah, j'ai triché, hein, j'ai été sur internet, sur des sites, et j'ai été chercher des dessins à colorier. Et donc j'étais en train de faire ce dessin de coloriage, et là je vois... L'émission de Cyril Lignac, je ne sais pas si vous êtes au courant, la cuisine le soir, tous les soirs, il vous fait un plat différent. Bah, histoire de garder le contact, et puis il n'y a pas que des choses mauvaises à la télé au final, quel que soit le but de cette émission, bah, elle vous donne la pêche, elle vous donne le moral, et puis bah, vous apprenez des choses. Bah, vous apprenez. Et bah, moi, hier, j'ai appris qu'on pouvait faire... des coquillettes façon risotto, comme le risotto, cuire les coquillettes comme le risotto. Ben ouais, je savais pas, voyez, ben j'ai appris quelque chose. Et ben, quand j'ai pris l'émission en cours, parce que j'étais absolument pas dedans, quand j'ai pris l'émission en cours, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'avais les ingrédients à la maison, ça tombait bien. Et ben du coup, j'avais commis. Même timing. Et même si moi, je mange très peu le soir, parce que... Avec mon bébé estomac, suite à la sleeve, je mange très peu le soir. Du fait que je bois pas mal, je mange très peu le soir. Eh bien, la famille s'est régalée. La famille s'est régalée. Et j'étais super contente parce que j'ai réussi. Oh, vous vous rendez compte, un plat de Cyril Lignac quand même. Il hein n'y a rien là quand même, sérieux. Voilà. Bah. Moi, je ne dis pas que je vais faire ça tous les soirs, hein, non, mais hier, ça m'a... C'est, bon, voilà, un petit moment de... Un petit moment de bonheur, un petit moment de joie. Et puis, alors, quand j'ai la famille... Enfin, la famille. Quand j'ai mon mari et mes enfants qui m'ont dit, oh, c'est tellement bon. Félicitations, maman. J'ai fait, mais merci. Mais bon, j'ai un peu suivi les instructions de Cyril, quoi. Donc... Je vous ai fait un simple là, la Cyril, voilà. Alors, c'est pas pour faire l'apologie de Cyril. Hein. C'est quelqu'un...
c'est un être humain et il fait de son mieux pour faire en sorte que tout s'arrange et que les gens ne partent pas en déprime et ne partent, ils restent centrés et gardent la joie. Et tous les soirs, ils remercient un centre, que ce soit un hôpital, un EHPAD ou peu importe. Enfin, c'est, je pense que ça part d'une très bonne intention. Et heureusement qu'il y a des gens comme lui qui, grâce à leur notoriété, ou qui profitent de leur notoriété à bon escient et à aider les gens à rester sur eux, et à ce que le confinement soit moins compliqué, moins difficile. Il y a aussi Axel de Tout le monde s'en fout qui fait des mini vidéos, c'est juste délirant. C'est juste, voilà. Il y a des petits trucs comme ça qui passent et qui font que vous avez des petits moments de bonheur, des moments de joie où vous oubliez que vous êtes en confinement et que vous avez le bonheur et la joie dans le cœur. Voilà. Alors, en conclusion pour cette vidéo, c'était juste pour vous dire que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que le plein divin est en marche. Ça, j'en suis persuadée. Le plan divin est en marche. Que beaucoup de choses vont se passer et que ceux qui ont confiance en la vie, ceux qui croient en la vie, ceux qui ne détruisent pas la vie mais qui la soutiennent, l'aident et la protègent, ceux qui croient en la vie tout simplement, je sais que je me répète mais c'est juste ça, moi je ressens des choses beaucoup plus fortes mais je ne trouve pas les mots exacts parce que la langue française étant une langue qui a beaucoup de mots, et les ressentis que j'ai actuellement, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Donc je vous le dis, quitte à me répéter plusieurs fois, parce que ça n'a absolument pas de mots, juste croyant la vie, regardez comme ça a changé depuis qu'il y a eu ce confinement, regardez comment ça a changé déjà, regardez la nature, regardez autour de vous, et même si vous êtes enfermé chez vous, vous n'avez pas de balcon, ou un tout petit, ou vous ne pouvez que, si vous vous posez 5 minutes, si on fait taire le mental, que vous faites de la méditation, si ça vous est utile et si vous vous sentez bien avec, sentez. Sentez comme les vibrations et les énergies ont changé déjà. Sentez. Et ce n'est pas du négatif parce que les énergies négatives plombent. Elles plombent. Elles vous empêchent de monter. Elles plombent. Les énergies aujourd'hui, elles sont légères. Elles vous poussent à vous élever, elles vous poussent à aller au-delà de ce que vous croyez être la vérité, au-delà de ce que vous croyez être vrai. La seule chose qui est vraie ici, c'est que tout est en train de se casser la gueule. Voilà la seule et unique vérité actuellement. C'est que tout est en train de se casser la gueule. Et je vais vous dire très sincèrement que si je dois me casser la gueule avec, c'est pas grave. J'ai vécu sur cette terre des moments merveilleux, des moments de souffrance, des moments qui m'ont fait avancer, qui m'ont appris, qui m'ont permis de devenir la personne que je suis. J'en ai longtemps voulu, à je sais pas qui, à la terre entière, peut-être à moi-même, d'avoir vécu autant d'expériences négatives, mais au final ces expériences étaient juste pour m'ouvrir les yeux et pour me montrer le droit chemin. Pas le droit chemin en final, mais le chemin de la vérité. Et le chemin de la vérité, c'est pas celui dans lequel on est en ce moment. Enfin, dans lequel on était. Mais non. Vous voyez, je ne le ressens plus pareil. Pour moi, ça n'existe plus. Et quand je vois des gens sur Internet, alors je vais vous dire Facebook, YouTube, etc., qui
Un jour vous diront rouge, le lendemain vous diront vert et après vous diront jaune. Elle est où la confiance dans la vie? Un coup ils vont vous dire ah ouais, mais on va droit vers le nouvel ordre mondial. Après on va nous dire ben non, au final non, parce que il y a des choses qui se passent, donc non. Et puis que l'instant d'après ils vont venir en disant ouais, mais quand même, hein, y a des choses qui sont pas normales et je pense que tout n'est que mensonge et que quand même on va y mettre le pied dans le nouvel ordre mondial. Alors moi je dirais à ces gens, bah, pensez ce que vous voulez, mais tenez-vous-en. Arrêtez de faire les girouettes et de vous dire un coup tout est bon et l'instant d'après tout est mauvais. Si vous êtes persuadé qu'il y a quelque chose de bon qui est en marche, pourquoi en douter? Pourquoi en douter? Si vous sentez cette nouvelle vibration, cette nouvelle vie, cette nouvelle joie qui vient là, et c'est à ça qu'il faut vous arrêter. Non pas à ce que vous voyez, non pas à ce que vous entendez. Parce que dites-vous bien que si la lumière est là et que si la vérité va voir le jour, étant donné qu'on est dans un monde de dualité, enfin qu'on était dans un monde de dualité, et bien forcément l'ombre va vouloir monter au niveau de la lumière. Sauf que si l'ombre est sous contrôle, elle ne pourra plus. Et qu'en ce moment, c'est la lumière qui gagne. C'est la lumière qui a gagné. Elle a déjà gagné. C'est ce que je ressens et c'est ce que me disent. C'est ce que je ressens très fort. La lumière a déjà gagné. Et si elle laisse les protagonistes de l'ombre encore déblatérer toutes les bêtises, toutes leurs bêtises et toutes leurs... C'est juste pour que les gens qui ne sont pas très... non, je ne parle pas d'éveillés, non, parce qu'il n'y a pas d'éveillés. Il y a juste des gens qui voient ou des gens qui ne voient pas. Et c'est juste pour que ces gens-là aient un choc moins grand. Voilà. Au moment où toutes les vérités vont éclater. Même si je dois y laisser ma peau, je vais vous dire que je suis heureuse. Mais je suis vraiment heureuse parce que, enfin, après des milliers d'années d'esclavage, que ce soit pour nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc., parce que tout a été fait petit à petit, hein, pensez bien que ça n'a pas pu être fait du jour au lendemain parce que ça aurait été trop évident et les gens se seraient déjà révoltés depuis très longtemps. Donc ça a été petit à petit. Donc la lumière fait le même jeu. C'est-à-dire que petit à petit, elle dénonce des vérités et elle montre à ceux qui veulent voir, forcément. Ceux qui ne veulent pas voir, ne le verront pas. Hein. Combien même on leur montrerait une pièce d'or, ils diraient que c'est du toc parce qu'ils n'y croient pas. Alors que c'est vraiment de l'or. Et eux diront non, non, c'est du toc, c'est pas possible, c'est du toc. Et on en est là aujourd'hui, voilà. Alors il y a ceux qui vont dire, ah bah oui, c'est de l'or. Et c'est bien. Et il y en a d'autres qui vont dire, non, c'est pas de l'or, ça, c'est pas possible, c'est de la fanfaronnade. Donc, la sagesse commence lorsqu'on réalise qu'on ne sait rien. Et à l'instant T, aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose, donc on ne sait rien. À dire qu'on est tous sages, je sais pas. À dire que je suis sage, je sais pas. Mais j'ai compris. J'ai compris. Qu'au final, malgré tout ce que j'ai appris, je sais rien. J'attends. Je fais confiance. Je laisse faire le plan du divin qui, lui, pour de bon, est sérieux. Est certain, est pur, et ne veut que notre bien. Et il est là, il est présent, actuellement, ici, partout, il est là. Et il avance, petit à petit, il avance. Mais je pense que le planning,
le plan du divin a assez attendu. Voilà. Et il est temps aujourd'hui qu'il montre de quoi il est capable. Et beaucoup de gens travaillent dans l'ombre pour que cela se fasse et cela se voit. Et merci à eux. Merci à tous ceux qui se sont mouillés, qui ont dû affronter des choses horribles, juste pour nous informer de la vérité de ce monde, de ce système. Merci à eux. Merci à tous ceux qui ont aidé le plan du divin à s'accomplir. Merci à eux. Merci à ceux qui nous aident au jour le jour à garder le moral, à garder l'espoir. Merci à eux. Merci à ceux qui continuent à nous dévoiler des bouts de vérité. Car ce sera moins compliqué pour les gens qui n'y croient pas d'y croire. Merci à eux. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour la lumière. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour le plan divin. Un grand merci à eux. Et je l'ai déjà dit en conclusion tout à l'heure, hein. Ouais, je vous répète. Mais là pour de bon, ayez confiance. Ayez confiance. Tout ce qui va arriver, qui est en train d'arriver, c'est finalement pour aller vers un monde meilleur. Donc, gardez confiance, gardez espoir. Et soyez en paix. Soyez en paix. Car la guerre qui a lieu actuellement n'est pas contre nous. Elle est contre d'autres personnes, mais pas contre nous. Donc soyez en paix. Allez, à bientôt. Faites-vous confiance, faites confiance au temps.